C'est le moment des 5 minutes de Gatsby. J'ai la page et j'ai Sony avec moi. Voilà. Ils ont acheté ce petit chien. On ne sait pas du coup si c'est un mâle ou une femelle. Nous avons roulé jusqu'à la 5e avenue. Il y avait de la douceur dans l'air en ce dimanche d'été presque pastoral. Et je n'aurais pas été surpris de voir paraître un grand troupeau de moutons blancs au coin de la rue. C'était la dernière phrase. Arrêtez-vous, ai-je dit, je dois vous laisser ici. Pas question, intervient Tom aussitôt. Myrtle sera froissée si tu ne viens pas avec nous à l'appartement. Pas vrai, Myrtle? Venez donc, insista-t-elle. Je vais téléphoner à ma sœur Catherine. C'est une vraie beauté, à ce que disent les connaisseurs. Je serais ravie, mais... Le taxi poursuivit sa route, traversa de nouveau Central Park en direction de l'ouest. À la 158e rue, la voiture s'arrêta devant la façade d'un immeuble résidentiel, simple portion d'une longue pâtisserie blanche. Promenant tout autour d'elle le regard d'une reine qui regagne son royaume, Mrs. Wilson rassembla chiens et emplettes et pénétra à l'intérieur d'une allure hautaine. « Je vais demander au maquis de nous rejoindre, » annonça-t-elle tandis que l'ascenseur montait. « Et bien sûr, il faut que j'appelle ma sœur. » L'appartement était au dernier étage, un petit salon, une petite salle à manger, une petite chambre et une salle de bain. Le salon était plat à craquer d'un ensemble de meubles en tapisserie beaucoup trop imposant pour la pièce. De sorte qu'on ne pouvait s'y déplacer qu'en se cognant, à chaque pas à des scènes montrant des dames à l'escarpolette dans les jardins de Versailles. Il n'y avait qu'une image au mur, une photographie démesurément agrandie de ce qui semblait être une poule sur un rocher flou. Avec un peu de recul, cependant, la poule se révélait être un bonnet et le visage d'une vieille femme corpulente adressait un sourire radieux à la pièce. De vieux numéros de potins mondains s'empilaient sur la table avec un exemplaire de Simon appelé Pierre et de quelques magazines à scandale de Broadway. Mrs. Wilson commença par s'occuper du chien. Un garçon d'ascenseur réticent alla chercher un carton rempli de paille et du lait, auquel il ajouta de sa propre initiative une boîte de gros biscuits durs pour chien. L'une de ces galettes passa l'après-midi à se décomposer impassiblement dans la soucoupe de lait. Pendant ce temps, Tom sortit une bouteille de whisky d'un secrétaire fermé à clé. Je n'ai été ivre que deux fois dans ma vie, et comme la seconde fois fut précisément cet après-midi-là, tout ce qui se déroula alors est enveloppé d'un brouillard opaque, en dépit du soleil qui inonda joyeusement l'appartement jusqu'à 8 heures du soir. Assise sur les genoux de Tom, Mrs. Wilson appela plusieurs personnes au téléphone. Puis, comme il n'y avait plus de cigarettes, je suis sortie en acheter au drugstore du coin. Lorsque je suis revenue, ils avaient disparu, si bien que je me suis installée discrètement dans le salon pour lire un chapitre de Simon appelé Pierre. Le livre devait être atroce, ou alors le whisky déformait tout, car je n'ai pas compris un traître mot. Au moment où Tom et Myrtle réapparaissaient, après le premier verre, Mrs. Wilson et moi, nous appelions par nos prénoms, les invités commencèrent à arriver dans l'appartement. Catherine, la sœur, était une femme mince d'une trentaine d'années, délurée. Elle portait sur la tête un casque luisant de cheveux roux et la poudre donnait à son visage un teint laiteux. Elle avait fait épiler ses sourcils redessinés ensuite selon un tracé qui se voulait plus provoquant. Mais les efforts de la nature pour restaurer l'ancien contour donnaient à son visage un air imprécis. Au moindre geste, d'innombrables bracelets de terre cuite glissant le long de ses bras faisait un interminable cliquetis. Elle entra avec la précipitation d'une propriétaire et promena sur le mobilier un regard si possessif que je me suis demandé si elle n'habitait pas là. Mais quand je l'interrogeais à ce propos, elle rit à gorge déployée, répéta ma question d'une voix forte et me dit qu'elle partageait une chambre d'hôtel avec une amie. Mackie était un homme incolore aux allures féminines qui vivait dans l'appartement du dessous. Il venait de se raser, car on voyait sur sa pommette une petite tache de mousse blanche
Il salua chacune des personnes présentes avec le plus grand respect. Il m'apprit qu'il travaillait dans le domaine artistique et je compris par la suite qu'il était photographe et avait réalisé l'agrandissement flou de la mère de Miss Wilson qui flottait au mur comme un ectoplasme. Sa femme était criarde, alanguie, ravissante, insupportable. Elle m'annonça fièrement que son mari l'avait photographiée 127 fois depuis leur mariage. Et ça fait 5 minutes. Je vous souhaite une délicieuse soirée.